Lui est passionné de football, il est l'équivalent de notre Grégoire Margoton. Le Belge Stéphane Strecker commente tous les matchs de l'équipe nationale des Diables Rouges, mais c'est au cinéma qu'il consacre son temps libre. Il sort mercredi prochain son film Noce et il n'a rien à voir avec le ballon rond. Reportage à Bruxelles d'Evangeline Barbarou et Sharif Souari. Bon, et vous ne deviez pas être à la RTP. Mais je dois me dépêcher, je commence à stresser. Les spectateurs du film de ce soir le savent, le réalisateur Stéphane Strecker est d'abord connu pour parler foot à la télé. Bonsoir. Je pourrais pas rester. Alors vite, il faut lancer l'avant-première et se dépêcher pour rejoindre le studio d'enregistrement de la RTBF. Ça va être juste, quoi. Est-ce que sur le tournage aussi, il a fallu jongler avec cette double casquette? Alors on l'avait fait exprès de tourner durant la trêve. Donc c'était ma volonté. Éternel costume noir, rire facile et sens de la répartie, Stéphane Strecker commente depuis 3 ans tous les matchs de l'équipe nationale. Alors c'est pas la sécurité sociale toujours. Forcément, ça peut dérouter le public. C'est une grande qualité. J'étais surpris parce que comme il n'a pas de langue de bois au niveau footballistique, je me dis mais comment il peut être réalisateur et voilà. Donc, mais il allie très bien les deux. Carnos, son film, n'a rien à voir avec le football. Il s'inspire d'un fait divers, une jeune fille Zahira qui refuse un mariage forcé. C'est chaud franchement. C'est un peu Freddie Mercury pakistanais. Quoi, il te plaît pas? Évidemment qu'il ne plaît pas. Et là, le réalisateur ne plaisante plus. Zahira, c'est celle qui a dit non. Et je dis souvent qu'en fait, elle n'est pas victime de monstres, elle est victime d'une situation monstrueuse. Il y a plein de jeunes filles qui sont venues me parler après en me disant qu'elles étaient incroyablement touchées parce que, quelque part, je racontais leur histoire. Laisse-moi. On ressort de Noce sonné, sobre, dur et terriblement émouvant. Il nous plonge dans une histoire glaçante. Bah oui, je résiste. Bien sûr que je résiste. Où l'amour conduit au pire.